Bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et je suis aujourd'hui accompagné de Flanou. Hello! Ça va? Ça va et toi? Eh ben, ça va très très bien, c'est notre première vidéo ensemble. Oui! C'est une map aventure où normalement on va devoir affronter des boss, résoudre des énigmes et différents puzzles, voilà. Et je crois qu'on a un choix de classe à jouer. Oui. Qu'est-ce qui peut être pas mal là-dedans? Qu'est-ce que tu préfères? Bah, je sais pas, hein, moi je suis plutôt en mode bourrin, donc soit la hache, soit l'épée, je pense. Moi je vais prendre du coup l'arc. Tu vas prendre l'archer, toi? Comme ça j'ai l'armure des brocolis. Ouais, on a des potions. Verte. Ah, le rouge ça me va bien, c'est parfait. Moi j'ai du speed. T'as quoi en potion, toi? Moi j'ai des potions de régénération, parce qu'ils savent que voilà, je vais prendre un max de dégâts, donc c'est pour me soigner. Alors, ça apparemment il y a une gestion d'argent, regarde. Ah, j'ai zéro gold. Ah ouais, moi aussi. Je suis pauvre. On est pauvre. T'as pas une petite pièce? Non, j'en ai pas. On va aller chercher de l'argent, c'est parti. J'ai peur. Déjà? C'est que le début de la map. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, il faut parler... Du texte. Une lettre. Donc, nous savons que vous ciblez particulièrement les sorcières, mais Darcy, apparemment, c'est quelqu'un du village, a été kidnappé par un illusionneur. Alors, l'illusionneur, est-ce que ce serait pas le monstre Minecraft caché, là, qui existe pas dans les versions jouables de Minecraft? À mon avis, c'est lui. Il a été entraîné en fait par une sorcière. Ah. Okay. Et oui, c'est son apprenti, d'accord. Oui. Donc voilà, ils veulent partir à la recherche de l'illusionneur et essayer de s'en débarrasser pour secourir Darcy. Oui. Ils vont nous donner plus de détails une fois qu'on arrivera dans la ville. Ah, t'as vu, regarde, c'est toutes les sorcières qu'on a éliminées. Oh, les pauvres. On a mis leur tête sur les pics. Mais c'est horrible. Ouais, mais bon, ouais, c'est des sorcières. Hein, on est cruel. Donc on est gentil dans l'histoire. Décoration et tout, c'est super. Moi, bon je trouve que c'est une map qui est très jolie. Oh, oh. C'est quoi ça? Eh, ça commence déjà, là. Waouh, ils sont trop beaux. C'est quoi ce monstre? Mais ouais, on dirait des mini golems. Ouais, de je sais pas quoi, là. Un gold. Ok. Oh, et lui, il a deux armes dans les mains. Il est trop fort. Ok, je vais... T'es le boss. Ah, attends, on a eu un gold. Ouais. Ah non, moi j'ai 4 gold, toi t'en as qu'un seul, ouais. Ah oui, non, c'est toi qu'on est 4. Je suis toi. J'ai cru voir l'illusionneur... Ah, mais... Regarde, ah, il est là. Ah, Darcy, bah... On l'a déjà sauvé. Bah... Ah non, c'est non un piège, regarde. C'est un fake. Ça... Ils nous ont eu. Mais c'est normal, c'est l'illusionneur, il va nous faire des illusions. Ah, c'est logique, c'est logique. C'est pour ça. Ce qu'on a pas dit, c'est qu'on est sur une map en 1.15 aussi, c'est la première fois que je joue sur cette version-là. Avec une map peut-être aventure. Des abeilles. Ouais, il y aura peut-être des abeilles qui vont apparaître des mains de l'illusionneur. Bon, où est le village, là? On habite vachement loin du village. Ah, regarde, il y a quelqu'un, là. Ah ouais? Attends, il est gentil ou pas, lui? Oui. Ah, c'est Joe. Bah, il va nous amener au village, du coup. Alors, je suis content que vous ayez réussi à venir. Je peux vous amener au village Twilighton, du coup. C'est le nom du village. On est arrivé. Ouais, on est arrivé. Faut qu'on aille parler, du coup, au maire qui nous a envoyé la lettre. Le maire Wendall. Eh, il y avait ça dans le village. C'est quoi ça? C'est un peu bizarre. Hein. Oh, tu flottes dedans? Ah bon? Attends. Bah, ah bah non. Pas du tout. On n'est pas mort. Au moins, on n'est pas mort. C'est bon. Tout va bien. Où est le maire? Il faut trouver la plus belle maison. Eh ben, sûrement à la mairie. Qui est? Ah, c'est ça? Ah, c'est ça, regarde. Oh, mais c'est un tueur aussi, il a des crânes sur des pics. Mais c'est vrai que c'est un peu lugubre par ici. Alors, ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu, chasseur. Je vais vous faire un rapide topo. Il y a un illusionneur qui est apparu dans la ville. Et il a enlevé Darcy. Du coup, par rapport aux rumeurs qu'on a entendues, cet illusionneur était l'apprenti de la sorcière. Mais l'illusionneur, en fait, il est beaucoup plus fort, apparemment, que la sorcière. Ah, l'élève a dépassé le maître. Il nous dit que le tableau à sa gauche peut être utilisé pour voyager rapidement parmi les gens du village. Alors, je sais pas si ce sera vraiment utile ou pas. Mmh. Ah, il nous propose de tout simplement dire à tout le monde qu'on est de retour. Ah oui, et du coup, les gens sont en surbrillance pour qu'on aille leur parler. Ah oui, trop bien. Il y a un petit côté scénarisé hein, dans cette map-là. Il n'y a pas que de l'action. Après, le village est pas très grand, on peut quand même y aller à pied, je pense. Visiblement, d'ailleurs, il y a un nouvel habitant, d'après ce qu'il nous raconte. Ah. Bonjour. Alors ça, c'est Elisabeth. D'accord. Oh, comme je suis heureuse de vous revoir. J'espère que vous ramènerez ma fille. Ah, ok, en fait, Darcy, c'est sa fille, elle. Bah ouais, c'est elle qu'on doit sauver. La pauvre. Est-ce que je peux lui parler à travers les... Non, je peux pas. Il faut qu'on sorte, il y a quelqu'un de... Le mec fainéant qui parle à travers la fenêtre. Vous allez bien, monsieur? On est là pour sauver votre fille. Ah oui, c'est Gilbert. Tu parlais de Gilbert, non? Ah oui.
Ah oui, il aime bien les bonbons. Ah oui, c'est un mec qui habitait dans une maison de bonbons, je crois, sur la première. Ouais, il est super bizarre, fallait lui trouver des bonbons et tout pour qu'il soit. Bizarre. Là, il y a Joe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, les villageois, ils comptent sur nous, là. Hein. Ils sont vraiment. Bah, ils sont vraiment. Oui, ils sont vraiment fainéants, j'ai envie de dire aussi. Hein. Tous rester chez eux, là, et à nous envoyer sauver à chaque fois les gens qui sont kidnappés. Ici, c'est Crazy Steve qui parle en chinois. Pourquoi? Dites-nous dans les commentaires ce que ça veut dire. Qu'est-ce ouais, on veut la traduction là, parce que là, ça se trouve, il nous a insulté, on n'est même pas au courant. Oh oui, quelle horreur. Ça ne va pas du tout. C'est lui qu'on devra tuer. Du coup, ça nous dit allez parler au maire à nouveau, donc on va faire ça. Alors, ça reste entre nous. Quand l'illusionneur nous a attaqué et a emmené Darcy, il a aussi mis une malédiction sur le maire. Okay. Ah, il est maudit. Oh. Si on ne la soigne pas avant un certain temps. Quelque chose de terrible va se passer. Skelder, c'est le doyen, de l'arbre qui peut apparemment lever la malédiction, mais qui a besoin d'ingrédients. On va devoir lui collecter. Tous les trois ingrédients sont trouvables dans la ville. Il a dit du porc cru. Ah oui, du porc cru. Une orchidée bleue et une slime ball. Il y a une porte cachée. Ah non, il y a juste de la bière, ok. De la bière, moi je prends, même si c'est pas dans la liste. Mais je crois pas que ça va nous aider. Par contre, je pense que Gilbert, là, le mec fou des bonbons, je suis sûr qu'il est un des ingrédients. Ah. Non, il dit qu'il est intéressé que par les bonbons. Non, mais lui, il veut que des bonbons, c'est. Ah, il veut que des bonbons, il va pas nous aider. Il va avoir plein de caries en plus. Ouais, c'est pas bon, hein. Mangez pas autant de bonbons. Ah, alors là, par contre, j'ai un mec sur un cochon. Ah, il dit qu'il a économisé suffisamment d'argent pour s'acheter son nouvel meilleur ami, qui est donc Oinkers. Je vais essayer de le tuer. Oh, le pauvre. Mais c'est horrible. Je t'attends pour le tuer. On a le besoin, c'est pour sauver le maire, c'est pour la bonne cause. Tape le cochon. Tape le cochon. C'est bon, je l'ai eu. Gérald, je vous en veux pas trop. Est-ce que vous avez vraiment tué mon cochon? Non, non. Il a disparu, c'est l'illusionnaire. Voilà. En plus, je l'ai tué à main nue alors que j'avais une épée. Mais oui, j'ai trouvé quelque chose. Oh, bah, j'ai trouvé la fleur. C'est vrai? Oui. Ah ouais, je suis passé à côté. Hein. Regarde. Et on peut la prendre? Ah ouais, tiens pas. On en a chacun une. Ah, on en a chacun une? Bah parfait. Ouais. Bon, et de deux. Et heureusement que tu es repassé par le cimetière, je ne l'avais pas vue cette fleur. Il nous faut la slime ball. Ah alors attends, par contre Nicole, qui fait des potions là et qui tient l'auberge. Oui. La nouvelle. Et bah apparemment elle était en train de faire des expériences et ça a explosé dans sa maison. Oula. Ah oui? Ah oui oui oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe des choses bizarres. Oh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où est-ce qu'on est là? C'est quoi? Il y a un mouton. Jaune, là-bas. Orange, blanc. Ça fait quoi? Je sais pas, mais le mouton a changé de couleur. Ah. Oh, il est heureux maintenant, il y a écrit happiness. Happiness 1. Attends, mais le rose, il sera super heureux. Ah bah non, 0. Ah bah. Tu sais faire les jumps, non? Apparemment, tu es très doué à ça. Je suis très nul. Ah. Mais c'est trop loin. Hop. Ah oui, j'avoue, il est un peu dur en fait. Je suis tombé là. Je suis trop nul en jump. Oh yes, je réussis. Ah. Tu vas-t-elle réussir? Attention. Oh non. Au dernier. Alors, je ne sais pas par contre qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici. Alors, j'ai un panneau qui me dit pour débloquer cette porte, il faut que tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Pour avancer, tu dois atteindre le plus haut point possible. Tu dois trouver le secret le plus profond du mouton et tu dois bouger. C'est très bizarre. Voilà, et la porte est fermée. Une autre épreuve. Oh, purée, c'est encore du jump. Oh non! Avec les escaliers là? Ah oui, d'accord. Non, mais attends, mais c'est pas possible ça! Oh! Comment ça, t'es mort? L'eau, ça tue? Oh, moi aussi! Non! C'était de l'eau chimique! Ouais. Oh, mais on perd de l'or en plus à chaque fois qu'on meurt! Non, c'est vrai? Je suis pauvre maintenant, j'ai combien d'or? Moi j'en ai super. Zéro! Bah j'ai zéro! Oh non! Mais attends, mais ce jump est impossible! Attends, tout ça pour une slime ball. 1, 2, 3. C'est 4 blocs et il y a 1 de hauteur en plus, c'est pas possible. Oui, là le jump impossible. Est impossible. Attends. What? Ah y a... oh, ça m'a tué! Non! L'eau t'a tué? Oui! Ah, j'ai trouvé! T'as trouvé quelque chose? Ben. Ah, mais attends. Encore une fois, il manque quelque chose au bout là.
Je suis encore devant des barreaux avec une laine noire devant. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore censé venir ici aussi. C'est bizarre. Je suis perdu. Ouais, va en arrière. Jamais. T'attends à la sortie. Les faibles qui reviennent sur leurs pas. Au pire, meurent dans l'eau. Bon, bah voilà, hein, c'est fait. Bon, on va essayer de résoudre le mystère. Du mouton. Mystère du... Moi, ce que je comprends pas, c'est bon, quand on peut changer le mouton de couleur, ok. Mais ça, c'est quoi? Il faut faire une offrande. Ah, je crois que je sais. Non. En fait, quand tu fais. Non, je sais pas. Ah, regarde, bah là... Non, mais justement, le mouton nous explique. Il nous dit que le mouton veut faire correspondre les couleurs avec l'orchidée. Et en échange, il ouvrira le petit jardin. D'accord, le petit jardin, je sais pas ce que mais c'est. Mais tu vois ça où, toi? Les couleurs avec l'orchidée. Bah, l'orchidée, elle est bleue, là. Ouais, comme ça. Aïe. Et a ouvert le petit jardin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de petit jardin? Là, c'est ici. C'est le bleu foncé, en fait. C'est ça, ah le bon petit jardin. Oui. Mais on peut Comment pas y aller? Comment Regarde. Tu sais que c'est un petit jardin? Bah parce qu'il y a des fleurs. Ah ouais. On peut pas y aller? On peut pas y aller, tu dis, mais si, je pense qu'on peut, regarde. Attends. Peut-être en faisant une sorte de ruse comme ça. Oh, non, je sais presque. Pas. Regarde, je suis dessus là. Ouais, essaye d'aller. Mais là, c'est trop loin, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est un peu loin là. C'est trop loin. Et ici, tu peux pas aller. C'est trop loin. Mais oui, du coup, c'est ouvert là. Comment on fait pour y aller? Comment on fait? Non, ce que vous tenez dans la main n'a aucune valeur pour le mouton. Oh. Donc là, il est jaune. Heureux. Ouais, mais il veut du jaune pour être encore plus heureux, j'ai l'impression. Ah là là, donc il est encore plus heureux. Et là, il dit « Give me something to make me grow ». Donc il veut grandir. Ouais, d'accord. Il veut grandir. Du blé. Du blé. On n'a pas de blé. La côtelette. Tu veux de la côtelette? Dance for me. Il dit qu'il faut qu'on danse. Ah, et là, il veut que tu danses. Jump, sneak. Bah, vas-y, danse pour lui. Peut-être que ça y est, on va réussir okay. à l'endroit. Danse. Vas-y, accroupis-toi. Ouais. Est-ce qu'il est heureux, là? Attends, je vais t'aider. Il est pas heureux, hein. Attends, il y a une chorégraphie. Faut faire. Sneak, jump, sneak. Ah ouais. Sneak, jump, sneak, jump, jump, sneak, jump. Ça marche pas. Attends, je me suis embrouillé. On est des mauvais danseurs. Vas-y, fais-le, je te laisse. Moi, je te dis ce qu'il faut faire, vas-y, moi, je te dis ce qu'il faut faire. Ok, vas-y. Allez, sneak, jump, sneak, jump, sneak. Ah oh, yeah. Yeah. Oui. Le mouton est heureux. Oui. Super, qu'est-ce que ça change du coup? Il a zéro d'happiness, mais... Zéro d'happiness? Après, on peut lui remettre son happiness. Ouvre-nous la porte, mot de temps. Quoi, il y a 6 blocs d'écart? Mais oui, mais oui. Jamais. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, peut-être je peux... Mais le mouton! Attends, il dit quoi quand tu fais blanc... jaune? Ouais, peut-être il y a d'autres couleurs. Donne-moi quelque chose qui me fait grandir. Attends, le orange, ça fait quoi? Je suis excitée. Je me sens fatiguée. Ok, le pauvre. Je suis quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a la slime ball dans sa poche. This is the same color. C'est la même couleur que la slime ball dans ma poche. C'est trop cool. Essaye de cliquer dessus. Il a peut-être la slime ball. File-nous ta slime ball, mon gars. Fais-lui les poches, vas-y, fais-lui les poches. Donne-nous tout ce que t'as. Mais non, il veut pas. Oh, dommage. Ah, il aime Mario, il a dit. Regarde. Ah. Toi, t'es rouge, du coup, tu sautes haut. Ah non, moi aussi. Toi aussi. Ah, c'est parce que du coup, voilà, on l'a mis en mode Mario. Ça y est, on a réussi. Eh ben, enfin. Alors, ça va faire quoi, le bleu foncé? Eh ben, je sais pas, ça va faire une autre interaction, sûrement. Oh, c'est dur à lire. Ah, maintenant, l'eau n'aura plus d'effet sur vous. Ouais, trop bien. Ça y est, on peut aller dans le noir, du coup. Ouais. Ouais, et on peut faire le jump sans mourir aussi. Hé. Alors, l'eau était là, sur la gauche. Oh, mais le dieu mouton est trop bien. Hop. Ah, le dieu mouton, il a plein de super pouvoirs. Hein. Oh, on vénère le dieu mouton, qui nous fait galérer pour obtenir une simple slime ball. Oui. Il annonce sa poche. Est-ce que tu es réel? Bah oui. Il nous demande si on est réel. On est réel, en effet. Oui. Et du coup, Donald, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez trouvé comment déjouer, du coup, le problème avec l'eau? Il y a un passage secret en dessous de l'eau. Ah, dans l'espace lié à la laine marron. En fait, il était caché ici pour pas que le mouton le trouve. Ah oui. Le mouton est totalement fou, du coup, il était caché.
Alors, est-ce que je pense, j'imagine que c'était. Ah, il t'a donné une map, non? Ah bon? Ouais. Ah, j'ai ah, ça y est, une map. T'as reçu la carte. Et alors? C'est quoi? Bah, c'est un truc tout plat, la carte, je peux pas la consulter. Est-ce que ce mouton est si gentil qu'il m'y paraît? Moi, je suis pas sûr. Hein. Alors, le passage secret. Oh, il est là! Oh oui! Oh purée, on risquait pas de le voir. Ah non, on risquait pas de survivre non plus. C'est la laine marron. Oh! Cette couleur. Ah, il aime pas la couleur. Yeah. Donne-moi quelque chose de beau. Bah, je crois qu'après, ce qu'il aime le plus, c'est le rose, non? Make me something pretty. Il veut être joli, ouais. Il reste en haut au cas où. Ah 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 ah! Qu'est-ce si, du coup, c'est bon, on a résolu le violet. Trop bien. Le violet est maintenant ouvert. Ouais. Du coup, purple. Oui, trop cool. Il dit que c'est une super couleur à la mode. Moi, je suis à peu près convaincu qu'il n'était pas marron quand on l'a mis violet. Oh, j'ai utilisé la map sur les blocs d'or, là. Et alors ça m'a dit qu'il a... Il est... Je crois que le mouton va aller s'occuper de lui. Oui, c'est ça. Il va s'occuper de Donald. Il va le tuer. Il va s'occuper de lui. Et il est heureux du coup que je lui ai donné les... Ah bah bravo. La position. Mais j'ai pas fait exprès. Voilà. Bah bravo, bah Donald est mort. Bien joué. Ça se trouve, faut monter sa happiness pour qu'il nous donne... Elle est à combien sa happiness? Zéro. Ça se trouve, faut refaire de zéro. Faut faire blanc et après on enchaîne toutes les couleurs comme il le souhaite. Bah, théoriquement, on avait réussi un peu à les enchaîner. Enfin, si on remet blanc. Donc là, il demande jaune. Donc là, ça augmente, on est déjà à 2. Maintenant, il a dit quoi? Make me grow. C'était quoi le truc pour le faire grandir? Faire grandir, je sais plus. Rouge. Oui, c'est le rouge qui le fait grandir. Ok. Rouge. Et après, il veut quoi? Cool me off quick. Donc là, c'est le bleu foncé. Ensuite, là, il est à 4 de happiness. Donc c'est, ah ouais, t'es là, déjà c'est blanc, jaune, rouge, bleu foncé. Ouais, ouais, ouais. Après, et là, pas. Il dit. Bah c'est là... comme si l'eau n'avait plus d'effet sur vous. Bon, là, il dit plus rien. À mon avis, il faut aller au marron, non? Vu que l'eau n'a plus d'effet sur nous, je pense qu'il faut aller à la laine marron. Laine marron, qu'est-ce que ça fait? Happiness 5, yes. Ok, donc après, c'est marron. Je note hein, dans le chat. Mm-hmm. Après, il dit quelque chose de joli. Je pense que c'est le rose ou le violet. Joli, c'était le rose, ouais. Le rose. Ok, c'est ça. Rose. On donnera accès à la dernière couleur qui va nous manquer, de toute façon, pour le rendre... Ah bah là, il y a un zombie, là. Il est mort, ça veut dire? Bah, je pense que c'est Donald, hein. C'est le mouton qui s'en est occupé. Oh, j'ai pris des mouillers. Bah, je pense, ouais. Désolé, Donald, hein. On voulait pas te faire ça, à la base. Et c'est pas bien la sponge key. C'est la sponge key. La sponge key, c'est ce qui manquait pour ouvrir la laine noire. Parfait. Donc là, on est bon. On va pouvoir faire ton enchaînement, là, que tu nous as trouvé. Voilà, rose. Rose. Ok. Et après, something cool. On sait pas le noir, ce que ça fait, en fait. Ah, tu penses que c'est noir? En tout cas, j'avais testé violet. C'est pas violet. Donc, ouais. Bah vas-y, je vais aller appuyer sur la couleur. On va voir ce que ça donne. Je vais au fond du labyrinthe. Ce mouton nous en aura fait baver. Hein. Noir. C'est ça. Trop noir. Non, il veut être, c'est pas ça. Vibrant shade instead. Ok. Donc. Alors, du coup, ça a reset la happiness. Donc c'est ça pas a reset ça. La happiness. Donc c'est pas celle-là pour l'instant la couleur. Donc c'est pas violet, c'est pas noir. Attends, est-ce qu'il dit cool? Il dit quoi là? Ah mais c'est le vert en fait, le tout cool. Moments later. Vert, gris. Ouais. Allez, orange, je crois. Ah oui, orange. 9. Et là, tu penses que c'est noir alors? J'espère. Croisez les doigts. Sinon, il y a une couleur aussi. Il y a bleu clair là. Il reste que bleu clair aussi. Et noir. Non, la couleur qui est dans l'espace violet. Ah oui. C'est quoi comme couleur celle-là? Ah oui. Bah, c'est peut-être le violet. On tente violet ou noir? Ouais, plutôt violet, je pense. Non! C'est pas violet. Ah non, c'est fashion. Violet, c'est fashion. Oh. One eternity later. J'en peux plus! De toute façon, il nous en reste que deux. Il nous reste bleu clair, bleu clair. Et violet. Oui, et violet. Ah, il dit c'est vibrant, ça. Ah, génial. Yes! Est-ce qu'il est heureux? Oh, viens voir le mouton! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il change de couleur. Il devient fou! Il dit qu'il va fermer le portail! Non! Il va nous enfermer! Donne-nous la boule! Donne-nous la boule avant!
Donne-moi la boule. Il va nous enfermer ici pour toujours. Mais regarde. Oh, je l'ai tapé. Ouais, t'as pu frapper. On peut le taper. Ah. Tu l'as tué. Bah oui. Il a explosé. On a eu la slime ball. Yes. Eh ben, tout ça pour avoir les trois ingrédients. Et l'illusionneur, on en a toujours pas vu un seul cheveu. Hein. Oui, pour le moment, on sait pas où il est. Maison du maire. Et il est là. Voilà. Tiens, mon gars. Ah. Vous avez collecté tous les ingrédients de la potion. Laissez-moi une minute, le temps de la fabriquer. Ah, il va faire une potion qui nous réduit aussi, qui nous rend petit, je crois. Ah oui. On va rentrer dans sa tête. On va rentrer dans sa tête. Pour enlever la fleur noire. La fleur noire. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde et... Ouais. Et on fait un prochain épisode où on va dans sa tête. Dans la tête du maire. Dans la tête d'un pour villageois. Pour enlever des fleurs. Pour enlever des fleurs noires. Bon, bah écoutez, on espère qu'on vous aura condensé ça, hein, parce que là c'était compliqué, mais on espère que ce premier épisode vous aura plu. Théoriquement, il y a encore des choses sympas à découvrir sur cette map, notamment des combats de boss. On n'a pas fait trop de combats pour l'instant. Oui. Mais moi j'aime bien en tout cas ce genre de... On a tué un mouton, mais c'était pas vraiment un boss. Mais j'aime bien ce genre d'énigmes et de map un peu scénarisées. Ouais, c'est trop bien. Bon, bah voilà, on vous retrouvera du coup rapidement pour la suite, le second épisode, et portez-vous bien. Bye bye. Merci infiniment aux membres Emeraude pour leur soutien, Alia, Noam, Exilé Dragon, Thomas, Tony, Tetsumi et Takumi, merci à tous. On se retrouve très vite sur la chaîne en vidéo et en live. Bisous, bye bye. Nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her.